Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Et on fuit chers amis, la SC où il y a justement des hommes devant nous. Technomant, pouvoir, aucune limite à mon pouvoir. Un autre Technomant, joli. Ok, pistolet. Ça c'est moi, me tire pas dessus. Hop, raté. Bien joué. Hop, et on l'a eu. Putain, il m'a mis un seul coup, mais ça m'a fait tellement mal. On récupère. Si on part, faut s'assurer de récupérer un maximum de choses. Ok, guêtre de combattant de la SC. Parfait, je prends. Why not? On continue. C'est par où? C'est par où? J'ai des amis par là. Ils vont nous aider. Ils vont nous aider. Je peux pas ouvrir. Mince. Mince, mince, mince. Par là, il y a un passage. Non, il y a rien du tout. Ah, la fuite. C'est la fuite, chers amis. On a besoin de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer chez les marchands. Ça va être d'une grande utilité. Oh mon dieu, ils sont tous partout. We gotta avoid the train station. Know how many soldiers they have waiting there? Let's head toward the barracks instead. The only place they won't expect us to go. Ils m'ont vu. Oh. Oh la vache, les coups qu'ils mettent. Ok. Ah, il essaie de me piquer moi en fait. Hop, voilà. Essaye de me piquer. Nisha! Nisha, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi je suis tout seul? Qu'est-ce qui leur a fait aussi mal? Hop. Hop, raté. Oh la vache. Pourquoi je suis tout seul? Allez, reviens. Ok, bouclier. Raté. Hop, ça c'est fait. Ok, il se relève, c'est bon. Au moins on est au courant. Je crois avoir une couleur là-dessus. Non, il n'y a pas un système de couleurs qui permet de savoir s'ils ont des objets sur eux. Non, apparemment non. Peut-être lui, il est peut-être un peu plus lumineux là-bas à droite. Au passage. Tiens, Kakeri. Pourquoi pas. Par où? Là-bas, droit devant. Donc si on va tout droit et qu'on passe par les petits chemins, ça peut-être passer. On va essayer. Oh là là, c'est d'une complexité, c'est d'une difficulté. On en chie à un point, chers amis. Hop. Je connais le chemin, chers amis, venez. Hop. Passer par la gauche. Ouais, c'est ça. Passer par le poste de sécurité, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, celui-là. Ok. Ok. Bouffe. Voilà. Arrête de frapper mon copain. Arrête de frapper mon copain, putain. Et il continue, hein. L'air de rien. Allez, hop, on récupère. Du sérum. On va en avoir besoin de l'argent. Botte de protection de soldat, je récupère, c'est pas grave. Fait chier, j'espère que je vais pouvoir récupérer ce que... J'espère que mes coffres sont des coffres à trous noirs. Hop, parce que franchement, ce serait vraiment con que je perde la moitié de mes compos, quoi. Ok, on continue. Ah là, y'a personne. Ah, un deuxième poste de sécurité. Quelle horreur. Yo les mecs, la forme.
Oh la vache. Ok, j'ai fait des dégâts à personne. Ah d'accord, ça les a. Ah la vache. Oh la vache. Oh. Hop. Et ils se remettent en position hein. L'air de rien. Est-ce que ça me soigne? Et ça me soigne. Oh mais c'est stupide. C'est stupide, si je voulais je pourrais. Ok. On va jouer leur jeu. On va jouer leur jeu. Yeah, salut les mecs. T'es pas dans la bonne région. Oh la vache. Hop, raté. Il va tellement au combat lui. Hop, raté. Hop, non, tu ne les tueras pas. Voilà, niveau 18. GG, chers amis. GG. On a complètement brain le jeu. On se cache derrière un mur et il nous oublie. C'est la magie des jeux vidéo. Oh, une hache. Seriously? Voilà, je suis surpris. C'est dans quoi? Dans les matraques. Oh, dis donc. C'est joli. C'est joli, ça me plaît. J'espère que je pourrai l'apporter un jour. Ok, le level up. Le level up, s'il vous plaît. Merci. Il devrait avoir un point à mettre. Voilà. Hop, on met ça pour pouvoir attaquer plus rapidement derrière. Ok. Parfait. Bon, bah on continue alors. On continue. Oui, c'est vrai que j'ai mis aucun point dans la force. Dans les trucs de base, j'ai mis aucun point. Ok, c'est bon, on a atteint les bas quartiers finalement, chers amis. Ça se passe assez bien donc. Ok, oh bah encore des gens. Hop. Ok, j'ai réussi à en toucher deux. Hop. Ah mais vas-y. Joli là, l'interruption, pardon. Hop. Ok, je vous rappelle qu'on a un coup de pied magique normalement et pouf. Voilà. Botte de protection de soldats, why not. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'objets sur les corps. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Pistolet robuste, why not. Il manque un cadavre, on a plus un autre. Dans le coin, voilà. Ici, hop. La map. On va par là. Donc ça veut dire qu'en passant par le marché, on devrait être un peu plus tranquille. Hop. Fuck. Ok. What the. Ah d'accord, oui je vois. Je vous ai vu. Je vous ai compris. Hop, toi tu ne relèveras pas. Toi tu t'arrêtes s'il te plaît. Tombe. Putain, il est pas tombé. Ah la vache. Ça fait mal celui-là. Oh. Le mec il reçoit un coup de plein. Oh mais. Ouh là là. Voilà, merci de bien vouloir rester au sol. Ok, ça c'est fait. Tu as su te débrouiller et c'est tant mieux. Par contre, Scott, je te ramènerai pas avec moi. Hein. Tu dois certainement être utile, mais je te sens pas dans cette équipe, hein. Je ne le sens pas. Alors.
Alors, alors. Oui. Who the fuck do you think you are? It's my werewolf, Rick. If there was a terrorist here, I'm pretty sure I'd have seen his ass lurking around. So you're gonna... Hey! Oh, la jolie armure. Lieutenant, sorry to ruin the surprise. What? Jeffrey? Ends here. Stop the traitor! Ok! Jeffrey, je t'aimais. Je t'aimais, l'ami. Je t'ai aimé. Je t'ai équipé comme un pro mérité d'être équipé. Aïe. Hop. Aïe. Voilà, je vais crever. Ah la vache! Je vais pas crever bêtement! Ah! Il m'a eu! Il m'a eu! What? Putain, cette trahison! Putain, j'avais reconnu le visage, je percutais pas! Je regarde le nom, je fais. Oh la vache! Tu me déçois! Commençons par tous tes petits soldats! Ah la vache, ça fait mal ça! Tiens, bouffe! Tu l'as eu? Parfait. À son tour. Moi aussi, je peux faire des attaques longue distance. Regarde, regarde ce que j'ai trouvé. T'aurais pu l'avoir. Bouffe! Sale traître! Sale traître! Je devrais t'abattre. Sans armure. Non. Non, don't kill him. You, non plus. You're driving. Get us out of Ophir now. Fine. Everyone in the rover. Bon. You okay, Zach? In one day, I find out Victor used everything I did as an officer against me, and I end up chased by my own people. Then one of my own soldiers turns out to be ASC, and I get involved in the armed robbery of a rover owned by my childhood corporation. Yeah, I'm doing okay, Misha. Surely the young lady would not be taking this to an imaginary city. I mean, rovers are amazing machines, but certainly they cannot transport one beyond the bounds of reality. Eh ben, merci, Scott, parce que tu m'as suivi avec les petits coups de pute que j'ai fait en ton dos, franchement. Noctis is an amazing city, Scott. It's as real as Ophir, but more amazing than anything you've ever seen before. Oh, yes, yes, I'm sure. Full of fairies and... and... bullshit. Balderdash! S'excuse auprès d'Amelia. Amelia, I'm sorry things went down the way they did. We didn't have a choice, though. The ASC after us and not a lot of time. Thanks for taking us wherever it is we're going. Thanks for the thanks, but it doesn't change the fact I still want to see your asshole head on a stake at some point. C'est putain de pas faux. Ok, on a eu un accident. Shit, look what that stupid creature did to my baby. The engine's fucked. I'm gonna repair this. You didn't even leave me spare parts. You really... Un
ostrich. Oh. No doubt about it. It's a wild ostrich. Look, you see the spikes on its back? Unfortunately, the poor animal died, but I'm almost sure that... Well, according to the sky, we don't have much time before sunrise. Fortunately, we're not very far away. We better get a move on. Okay, on y va. Good idea, because as I was about to tell you, these creatures are social. They rarely travel alone. We might find ourselves in the middle of a herd, and an angry ostrich can be very dangerous. Very good. Tu nous rassures, merci. And Amelia, leave that rover alone. As you said, you won't be able to fix it. And if you stay, you'll die. Tout à fait. Isn't that what that bitch wanted? That I die? I hate you all. Stop it. We never wanted you to die. We need you. I know that you love that machine, but there's no time to cry over it. Come on. Ok. Par principe, on va se rééquiper comme il faut. On est en terre sauvage, si je puis dire. Ok. Et au niveau de l'armement, c'est bon, tout ça c'est bon. Ok, on est bon, chers amis. Allons-y. Par principe, je fais le tour. Et on y va. On a un temps à respecter. Excusez-moi pour ce message, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fameuse autruche? Je crois qu'elle allait m'attaquer avec un coup de queue, à vrai dire. Hop. On l'a essayé d'empoisonner. Joli. Elle fait mal malgré tout. Hein. Et elle a une quantité de points de vie assez incroyable. Ok. Dépeçage. Ok. Ah mince, excusez-moi. On voit des messages un peu partout, malheureusement. Falloir que je me dépêche. Encore une fois, mais bon. Hop, par là. Ok. Par principe, est-ce que je fais demi-tour pour checker ce qu'il y a sur le... Oh là là, il y en a beaucoup plus. On y va. Aïe. Hop. Ok, on en a eu deux. Raté. Boum. Ok. Oh, elle est belle avec son... Oh, je crois que j'ai trouvé mon nouveau tank. Elle est belle avec son bouclier, celle-là, dis donc. Ok, on dépeuse et on court. Et on sprint, hein. Là on va sprinter, chers amis. On n'est pas là pour rigoler. Faut qu'on traverse tout ça. Qu'on se rende. Oh, mais il y a loin. Il y a carrément loin en fait. Oh là là, faut qu'on court. Cinématique. Et il court. Bien. D'autres saloperies maintenant. Génial. Gun. Non, sors le gun. Hop. Sors le bâton. Touché. Hop. Nisha. Attention. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. On court. On court, on court, on court, on court, on court. Là, je récupère le coffre parce que c'est nécessaire. Hop. Pour continuer d'aller vite. Merde, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Lâche-moi aussi, toi. Je te veux que du mal. Hein. Ah, c'est mal. Merci, Amelia. Hop. Ok, ça les fait fuir d'en tuer une. Ok, why not. On se dépêche, on n'a pas le temps. Les portes de Noctis avant le jour. 3h et 1 minute. 3h, on a déjà passé 1h en fait à glander là en fait. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Plus d'une heure à glander. On a clairement pas le temps. Par là, est-ce qu'on gagne du temps?
Question stupide. On va tout droit. On risquerait de tomber sur des humains qui plus est. Ce qui ne serait pas forcément plus simple à abattre. Coffre. Je fouille. Ok. Hop. Hop. Joli tir. Ah la vache. Pas beaucoup de dégâts mais très chiant à battre. Ok. On continue à courir. Merci. Merci Scott qui nous soigne. Peut-être qu'il va devenir plus utile que ça en fait. Raté. Là la bubule du comment du technomant sera peut-être utile. Hop, on l'a eu, on court. Hop, toujours par la gauche. On court. En gros, on a plus que 2 minutes, un peu plus de 2 minutes là, je crois. Je crois que c'est à peu près un point par seconde, ça fait à peu près 2 minutes. Bon. Ça veut dire qu'on aura en fait des choses à faire en une nuit, quoi. Potentiellement. Et donc, pour les portes d'une grande ville magique, machin, tout ça, il y a quand même de beaux monstres devant, hein. Aïe. Faut partir avant de mourir brûlé par le soleil. D'accord, effectivement, oui, ce serait peut-être pas mal. Niveau 19. On a deux coffres. On va faire les points de... Hop. Là, par contre, on a deux coffres. Ça peut être intéressant. Hop, quincaillerie. Et ici, niveau 1, je peux l'ouvrir. Quincaillerie, c'est génial. Merci le jeu. On y est. Mais non, on y est. Ah mais non, mais qu'il est con ce jeu. Ah mais merde. Merci. Hop, allez, meurs. Sale bête. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Allez au caravansérail. Caravansérail. Si tu le dis. Cette petite musique. Oh bah oui, c'est bien mieux, c'est sûr, c'est magique. C'était bonne tête. Ok. Sale bête. Qu'est-ce que... Ah la vache, ils vont sacrifier les trois. They're trying to open the roof. You, up there! Stop! Stop! It's Nisha! Listen to me! Stop! We'll take care of the creatures! Qu'il est con. I'm sorry, Nisha! I didn't... I'm stopping right now! But I'll only be able to open the doors for you once the area is completely secured! Ouais, ça me semble logique, y'a pas de soucis, t'inquiète. C'est que des rats. Allez, venez! Hop! Aïe, je me suis fait griffer! Il y en a un gros, dis donc, hein! Raté! Aïe! Oh, le hurlement de la mort! Raté! Hop, les. Ah, il y en a encore d'autres! Et mon sort qui a même pas le temps de recharger, quoi! Hop! Ok, on en a eu deux, génial. Prenez ça. Oh, quel dommage. Hop. Encore. Vous faites chier. Hop, raté, t'es trop mauvais. Ah, ça,
Il gratte, il gueule, il me repousse. Raté. Hop. C'est bon. On vient de le faire. Dépeçons toutes ces bestioles. Il fait un drôle de mouvement avec le poignet droit, j'ai pas l'impression qu'il les dépece. Ah, j'ai pas eu le temps de tous les faire. Dommage. I'm so glad to see you. We were starting to get worried about you. The news from Ophir sounded a little chaotic. You look healthy. Mais c'est notre ami. Worried about me? C'est celui qui était technomant avant. Let me introduce qui était abandonné. Zachariah Mancer. He's the reason why I'm here. Look at that. The technomancer who saved us from the Vori. Interesting, very interesting. Ah, cool. Happy to see you again. Now I understand why the prince was insistent. He'll want to see you as soon as possible. The prince? Dandolo, he rules our city. D'accord, c'est une monarchie. He loses patience quickly. There's nothing like fresh news for him to be on pins and needles. But don't worry, he's a charming man, and he loves Nisha. Very well, I'll go see him. Happy to see you in one piece, Beg. Zachariah. Quoi? Beg? I feel like I got ripped off. Apologies, we were forced to improvise. Playing a simpleton is a great way to avoid attention when you are a mutant. You can go see the prince now, but come back later. There's something I would like to discuss. I will be near the sand sails. Wait a... Your name's Andrew, isn't it? We went to the academy together. But didn't we... I overheard you talking to Master Connor after I brought him to meet you. I guess you overheard. Very well. Come find me once you've met with the prince. We'll talk about it. Go now. Don't keep him waiting. Oui, monsieur. Ah, cool, on retrouve plein de gens qu'on connaît, c'est cool. C'est vraiment cool. Du coup, niveau 20 déjà, chers amis. Ok. On a quoi ici? L'armure, ça peut être sympa, mais on l'utilisera pas. On l'utilisera pas. Remarque, si, on l'utilisera. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, chers amis. Ça, c'est quoi? Oui, c'est les 4 points que j'ai en trop que je sais pas où mettre. D'accord. Oui, on l'utilisera forcément. Regardez, si je fais ceci. Hop. Si je dis que non, en fait, ça ira là. Et du coup, je ne désactive plus jamais mes armes électriques. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Ok. Eh ben écoutez, chers amis, avant d'aller explorer cette zone, on va aller dépecer un maximum de choses sur ces bestioles. Si c'est encore possible seulement. Oui. Hop. Faire le plein de sérum, de cuir et tout ce qu'il nous faut. Et des tas de bonnes choses, vous connaissez le principe. Ça nous fera toujours un petit peu de choses à revendre. On a une grosse ici. Hop. Est-ce qu'on fonde un petit peu avec le sol hein? Ok, et ça me semble bon. Non, on en a encore par là. Et donc, nous allons nous laisser là pour cet épisode. Il pourra nous permettre un épisode d'exploration dans le prochain. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. De partout le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop.